bonjour à tous. Ah, regardez. Regardez ces murs. Comparé à la dernière vidéo. Hein, ça prend forme, hein, gentiment, c'est fini. C'est fini. Voilà, j'ai fait pas mal de travaux sur mon terrain ces dernières semaines. Et là, on est fin juillet. Et on est dans une seconde canicule. Voilà, il est 10h du mat. Il fait déjà super chaud. Et néanmoins, je me suis dit, voilà, comme j'ai cette matinée un peu tranquille, et ben j'en profite, les amis, pour vous présenter voilà, de nouvelles variétés de plantes. Et ici, ben, nous avons le chiendent. Voilà, le chiendent, considéré par les agriculteurs et les cultivateurs comme une mauvaise herbe. Or, pas du tout, hein, c'est une plante qui a de nombreuses propriétés. Entre autres, les anciens s'en servaient, ils en mettaient dans la nourriture de leurs chevaux, ce qui leur permettait d'avoir une belle robe en seulement quelques jours. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les chiens, les chats se purgent avec, hein. Voilà, ce n'est pas pour rien. Et d'un point de vue médicinal, elle a des propriétés diurétiques et dépuratives. Et le rhizome, qui est contenu à l'intérieur, peut servir de base voilà, pour faire dégeler du pain, du sucre et même de l'alcool. Voilà. Bon, voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, on va passer à d'autres plantes que je vais découvrir ici dans les alentours. Allez, c'est parti. Alors ici, les amis, on a la sauge. Très réputée, hein, depuis les temps anciens. On disait que c'était une plante qui pouvait guérir de la mort, carrément. Alors en tout cas, ce qui est un peu plus sûr, c'est qu'elle peut soigner les malaises. À ce qui paraît, elle apaise les coups de cafard, voilà. Et elle calme les crises d'asthme. Voilà, elle a de nombreuses propriétés antiseptiques, antispasmodiques, anti-sudorales, enfin, etc., etc. Ça peut parfumer les plats, votre linge de maison, et ça assainit les armoires quand vous en mettez à l'intérieur. Mais attention, parce que comme l'absinthe, la sauge contient la même substance qui peut être toxique à trop forte dose. Alors regardez, à côté des iris, ce que je trouve. Regardez ça, les amis. Est-ce que vous la reconnaissez? Vous la reconnaissez? Il s'agit du millepertuis. Petite fleur jaune à 5 pétales. Présente de juin à septembre. Ensuite, quand elle fane, voilà, elle donne cette couleur un peu. On assimile cette couleur à la rouille. C'est vrai que c'est assez semblable. Voilà, le millepertuis. Les amis. Très reconnu pour ses nombreux effets thérapeutiques, décongestionnants, astringents, antibactériens, antibiotiques, apaisants, anti-inflammatoires. Enfin, vous voyez, c'est une plante qui a de très très nombreuses propriétés. Voilà. Et alors, ma mère concocte quelque chose que vous pouvez vous préparer chez vous. Pour rien, ça ne vous coûtera rien et c'est très facile à préparer. Vous prenez un pot de confiture vide, bien nettoyé évidemment. Vous prenez, on va dire, une bonne petite poignée de fleurs de millepertuis que vous allez mettre à l'intérieur. Vous refermez le bocal hermétiquement pendant à peu près 2 jours et vous laissez pendant ces 2 jours le pot en plein soleil. Comme je le suis là actuellement, en train de griller. Et au bout de 2 jours, eh ben, l'huile va se colorer. Et ça va donner ceci, regardez. Donc vous avez l'huile végétale, avec toutes les fleurs à l'intérieur. Donc vous voyez, il y en a quand même une bonne quantité. Et tout simplement, les fleurs vont libérer cette espèce de pigment qui va colorer l'huile de cette teinte rouge. Enfin, c'est assez marrant. Hein. C'est ma mère qui m'a appris ça très récemment. Pendant que justement je découvrais les vertus du millepertuis. Et donc, alors ceci, vous pouvez vous l'appliquer, il y a plein de choses. Hein. Si vous avez un enfant en bas âge qui a les fesses irritées, vous lui appliquez ceci. Si vous vous faites piquer par un insecte, pareil. Et alors c'est
super efficace contre les coups de soleil. Voilà, peut-être que je vais m'en mettre après. En tout cas, ouais, contre les coups de soleil, c'est très apaisant, c'est super apaisant et ça ne vous coûte rien plutôt que d'acheter une pommade en pharmacie. Voilà, je veux dire, avec ça, vous vous le préparez et c'est bien mieux, c'est naturel au moins. Voilà, allez, à la suivante. Un peu à l'ombre, hein. Sous ce chêne pubescent où je découvre cet églantier, un rosier sauvage, hein, si vous préférez, reconnu depuis les temps anciens. Et aujourd'hui encore, hein, pour ses propriétés. Alors, les feuilles et les fleurs sont utilisables. Vous pouvez les récolter au printemps et en les séchant à l'ombre, voilà, vous pouvez vous en servir en tisane et ça a un effet laxatif. Par contre, ça a un effet un peu plus intéressant puisque si vous les appliquez sur les plaies, si vous vous êtes coupé, ça accélère la cicatrisation. Tout simplement. Voilà, donc ça évidemment que c'est intéressant. Alors, bien sûr, il y a les fruits, les cyrénodons, qu'on appelle gratte-cul également, qui sont reconnus, hein, pour leur forte teneur en vitamine C. Bon, là, c'est pas encore présent, mais on les trouve notamment durant les saisons froides. Et oui, c'est plein de vitamines et on s'en sert pour des cures anti-fatigue et anti-scorbutique. Ça peut être dégusté en confiture ou en tisane. Et alors ici, il n'y a pas, mais des fois il y a le baie d'égard. C'est une gale qui est provoquée par un parasite du rosier et qui est souvent de couleur un peu rougeâtre. Et depuis l'Antiquité, c'était reconnu pour ses effets astringents et toniques. Toujours à l'ombre, hein. Voici la vipérine, les amis. Regardez. Une plante que l'on trouve très souvent. Voilà. Sous nos latitudes. Regardez ces belles couleurs, sans rire. C'est magnifique les fleurs, hein. Quand vous regardez attentivement les couleurs qu'il y a, c'est incroyable. Moi, je suis sous le charme, hein, personnellement. Alors, on surnomme cette plante la vipérine parce que ses feuilles, ses fleurs plutôt, ont un peu l'apparence d'une tête de vipère. Voilà, c'est pour ça que c'est surnommé ainsi. Et autrefois, justement, c'était censé guérir contre les morsures de serpents. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle contient un alcaloïde paralysant, semblable au curare. Mais si vous voulez, en si faible quantité que c'est inoffensif pour l'homme, il faut néanmoins ne pas en abuser. Voilà. Et en infusion, les fleurs séchées calment la toux, soulagent les maux de tête et la fièvre. Elles auraient également un effet aphrodisiaque. Et les jeunes feuilles peuvent être consommées en guise d'épinard. Alors vous voyez, ça a des poils urticants. Ça peut être irritant quand on se balade en short et qu'on se frotte à la vipérine. Voilà, donc méfiance. Ah là là, des églantiers. Du millepertuis, regardez là, regardez, je vais essayer de m'approcher sans me tuer. Regardez, plus grande et plus belle que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et alors, ici, j'ai repéré au milieu de ces chênes pubescents un jeune noisetier. Alors, c'est pas très étonnant de trouver cet arbre juste ici, puisque regardez, ici autrefois il y avait de l'eau qui passait là. C'est un ancien ruisseau, donc si vous voulez. C'est pour ça qu'on le trouve ici. Cet arbre-là, ça, c'est un arbre qui indique qu'il y a de l'eau dans les sols. Alors, le noisetier est reconnaissable à son écorce gris-brun, luisante et tachetée. Les jeunes feuilles sont comestibles. Quoique un peu amer et âpre, hein, j'ai déjà goûté. Alors, frottées contre la peau, elles ont un effet cicatrisant et anti-inflammatoire. Et ça peut être également utilisé en infusion. Alors, normalement, il y a les chatons. Là, je n'en vois pas. Je sais qu'il y en avait encore il y a quelques temps, mais là, non. Les chatons, vous savez, c'est ces espèces de petites choses qui pendent et qui ont des propriétés diaphorétiques et amaigrissantes. J'ai les mouches. Alors, les noisettes, évidemment, hein, très appréciées.
apparaissent à l'automne et se ramassent seulement une fois tombées au sol. Voilà. Elles agissent contre le vieillissement des cellules et les risques cardiovasculaires, ainsi que contre le diabète et le mauvais cholestérol. Et alors, en bushcraft, si vous voulez, c'est un bois qui est... J'ai un pied dans le ruisseau, moi je galère depuis tout à l'heure. Si vous voulez, c'est un arbre très intéressant niveau bushcraft, puisque tout comme le tilleul, c'est un bois assez souple et assez rigide, ce qui fait qu'on peut construire toutes sortes de choses avec, pour les abris. Voilà, pour les abris, c'est en pleine forêt, c'est l'idéal. Et en plus, voilà, si vous le trempez dans l'eau, il devient d'autant plus souple. Vous le laissez tremper quelques temps dans l'eau, il devient encore plus souple et vous pouvez vraiment vous en servir pour faire des arcs, enfin, toutes sortes de choses, quoi. Un arbre super intéressant. Voilà, bon, à l'ombre, hein, une fois encore, je vais conclure cette vidéo, ce troisième volet à la découverte de la nature. Voilà, en ce moment il fait chaud, j'ai été très occupé ces derniers temps, j'espère que pour la suite de l'été il en sera autrement, j'espère que je vais réussir à sortir beaucoup plus et à vous faire découvrir encore plein de trésors sur notre fabuleuse région. Voilà. Bah écoutez les amis, moi j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao tout le monde, à plus.